Abidjan, capitale administrative puis économique de la Côte d'Ivoire. Une identité et une histoire particulière retranscrites dans Abidjan, le nid des artistes. L'ouvrage de l'enseignant-chercheur Célestin Yao a été présenté au grand public. C'est un objet spécifique, en fait. Un objet particulier. Voilà. Regardez aujourd'hui. Vous prenez un café d'Abidjan. Prenez la montagne, c'est ici, là, partout dans le monde. Vous allez reconnaître que c'est Michel, même si vous n'avez pas de mots. Parce que la déchet, c'est à son autorité personnelle. C'est un endroit où on est venu. Dans lesquels quelque chose est qu'on peut se construire, que les choses repassent à l'égarder. 368 pages d'immersion qui ont nécessité près de 80 contributeurs, à savoir des photographes, des plasticiens, des écrivains, des danseurs, des designers ou encore des chanteurs. Le livre a été plébiscité par certains écrivains et artistes. Ça participe et à la richesse et à la mémoire collective. Ça peut instruire et ça peut aussi présenter les différents arts et cultures. C'est comme un public pour nous tous. Nous sommes artistes. On dit le nid d'artistes. C'est pas seulement pour nous, mais c'est pour la génération future aussi. C'est le commencement d'une nouvelle ère. Abidjan, nid d'artistes, s'inscrit dans une série de livres hommage à plusieurs grandes villes africaines, telles que Casablanca et Dakar.